elle est libre, mais continue de traîner son père comme un boulet. En novembre dernier, le tribunal de Los Angeles a officiellement levé la tutelle de Britney Spears, restée 13 ans sous le contrôle de son père Jamie après un épisode de dépression sévère. Toutefois, alors que le verdict est tombé, la procédurelle est toujours en cours, rapporte People, rapporte que le père de la chanteuse a toujours des obligations fiduciaires en cours liées à la liquidation de la tutelle de la personne et de la succession. Un paiement rapide des honoraires d'avocat de Jamie est nécessaire pour garantir que la tutelle puisse être liquidée rapidement et efficacement pour permettre à Britney de prendre le contrôle de sa vie comme elle et Jamie le souhaitent, précisent ses documents. Et pour payer ses obligations fiduciaires, ainsi que les honoraires de ses avocats impliqués dans cette affaire, Jamie Spears a demandé de l'argent à Britney Spears. En effet, le père de l'interprète de Baby One More Time a exigé qu'elle paye ses dûs, provoquant au passage la colère de son avocat Matthew Rosengar, qui n'a pas manqué de qualifier cette requête de honteuse. Monsieur Spears a récolté plusieurs millions de dollars de Britney en tant que conservateur, tout en payant ses avocats des millions de plus, le tout grâce au travail de Britney et à l'argent durement gagné, a-t-il ainsi dénoncé dans un communiqué dévoilé par People. Une demande qualifiée d'abomination en effet, durant les 13 ans de tutelle de sa fille, Jamie Spears a effectué plusieurs placements au nom de sa fille afin de faire fructifier sa fortune, sur laquelle elle n'avait plus aucun contrôle depuis l'instauration de sa tutelle. Une somme complète qui n'a pas encore été dévoilée, à laquelle Jamie Spears, qui se versait plus de 120 000 $ de salaire par mois en tant que tuteur, n'a désormais plus accès. La tutelle a été résiliée et Spears a été suspendu ignominieusement. Dans ces circonstances, sa requête n'est pas seulement juridiquement sans fondement, si est-il une abomination. Britney a témoigné de manière poignante de la douleur que son père lui a causée et cela ne fait qu'y ajouter. Ce n'est pas ce que fait un père qui aime sa fille, a indiqué l'avocat. Britney Spears, elle, n'a pas réagi à la requête de son père, tandis qu'elle se projette désormais dans ses projets, comme son futur mariage. Loading DJ.